Foot est fait, bonjour. Claudine, réunion houleuse à la mairie de Sainte-Rose, avec les employés municipaux. La police, police municipale est intervenue, puis les gendarmes. Le sens du dialogue n'est pas le fort de Claudine Bajazé, qui est meilleure sur Facebook, où elle se flatte tous les jours de réalisations qui doivent beaucoup aux finances régionales. Harry, le président de région s'est rendu à Trois-Rivières pour visiter le stade. Beau stade, mais bon, encombré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de buissons. Un dossier qui court sur 7 ans. Au départ, 3 millions pour le rénover, accordé par Victorin Lurel pour soutenir Hélène Vainqueur-Christophe, alors maire, aujourd'hui députée. Un stade en friche, travaux interrompus depuis des mois parce que la mairie n'a pas payé sa quote-part, faute d'argent. Et oui, c'est ça, les mairies n'ont pas d'argent. Et une rallonge de plus de 2 millions pour achever ses travaux. La région aura mis plus de 90% des sommes versées aux intervenants. Merci la région. Olivier Servat, député de la Nation, veut faire d'Ibo Simon un trésor national de la Guadeloupe. En Haïti, trésor national s'appelle Franck Etienne, écrivain, peintre, philosophe, poète de renommée internationale. Bah, à chacun son petit trésor. Valérie, la directrice de l'Agence régionale de santé, Valérie Denux, elle boit l'eau du robinet. Et elle nous dit, j'habite en Sud-Bastère et l'eau du robinet est bonne. Bon, pour aller plus loin, elle a ordonné qu'il y ait 3 fois plus de prélèvements d'eau sur l'archipel où, dit-elle encore, 96% des prélèvements sont bons. Si elle le dit, bon, nous voilà rassurés. Gérard Cotelon, directeur général du CHU, a toute la confiance des autorités pour remettre les pendules à l'heure dans les services. Où, semble-t-il, les dysfonctionnements sont liés, dit la directrice de l'Agence régionale de santé, aux entourages des directeurs peut-être pas toujours professionnels, mais ça devrait changer et les rentes de situation devraient être révisées. Au boulot, quoi. Bonsoir et à demain.